Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une de nos créations. Donc, c'est une de nos plus grandes créations que nous avons faites en Lego. Alors, donc, c'est un immeuble à 2 étages. Avant de commencer la présentation de la maison, voici tout simplement la brille à vélo. Alors, dans une de ces appartements, nous avons une famille de 3 personnes. Donc, il y a Annie, la mère, Steve, le monsieur, et Diana, leur bébé. Ensuite, nous avons une jeune étudiante qui s'appelle Rachel, et elle habitera à l'étage en dessous de la famille. Donc, ici, il y a l'entrée avec les escaliers et l'endroit pour les poussettes. Et pour accéder à l'intérieur, il suffit juste d'ouvrir ici. Donc au rez-de-chaussée, il y a les boîtes aux lettres, une avec des lettres et la deuxième, c'est pour les paquets. Ensuite, il y a une plante, un banc, une table et une horloge. Ici, il y a la cave avec un vélo et une caisse. Bien sûr, pour accéder aux appartements, on aurait besoin d'un ascenseur. Il faut savoir que le fonctionnement n'est moins complexe que celle du Grand Hôtel. Il suffit de le faire monter jusqu'à l'intersection. Et avec cette pièce qui voyage avec l'ascenseur, il faut le bloquer. Et voilà! Donc voilà le pouf de son chat, Kitty, avec son bol. Ici à la table de Rachel où elle mange et où elle travaille. Voici sa chaise avec son ordinateur. Et ici il y a sa petite table de maquillage et son lit. Donc son lit a un dégradé. Et bien sûr, puisqu'elle travaille beaucoup, elle a aussi une carte de géographie à côté pour regarder tous les soirs. Et nous voici de l'autre côté de l'appartement, sa cuisine. Donc ici, elle a une étagère avec des matériaux de cuisine et des aliments. Ici, elle a sa petite cuisine, donc c'est exactement le même que celui des gâteaux de l'amitié de Stéphanie. Ensuite, on arrive à sa salle de bain avec une baignoire, les toilettes, une petite étagère pour ses médicaments et des produits et un lavabo. Ensuite, il y a une sorte de chambre supplémentaire, donc c'est celle-là, elle est juste à côté de la salle de bain. Et donc dans cette chambre supplémentaire, il y a l'aspirateur de Rachel, la nourriture pour son chat Kitty et surtout son surf puisque Rachel aime aussi bien surfer. Donc voilà, c'est juste ça l'étage pour que vous en sortiez un peu plus. Ensuite nous arrivons au deuxième étage et là c'est la maison de la famille. Donc ils ont une étagère avec un petit rond blanc et c'est pour la poussette. Ensuite, voici leur salon. Il y a une télévision, un canapé avec un jouet pour le bébé et la cuisine. Donc il y a exactement une petite cuisine et une table. Nous voici maintenant à la chambre des parents et à la chambre de Diana. Donc ici, ils ont une armoire avec des linges pour les parents et des affaires pour le bébé. Voici leur lit et le lit du bébé, donc ils rentrent parfaitement dedans. Quant à son nounours, il est là.
Il s'appelle Bulbul. Ensuite, on a une lumière pour la chambre et les toilettes avec la salle de bain. Celui-là, c'est bien sûr comme la chambre d'en bas, la chambre supplémentaire. Il y a une poussette, un aspirateur. Et au-dessus de tout, nous avons la terrasse avec un barbecue, une table à manger et du confort. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la liker et à t'abonner à notre chaîne. À bientôt.